chers amis, mon frère Paul et moi, nous tenions aussi à nous adresser à vous ensemble, parce que moi je suis diocésain, Paul complétera, il est membre d'une communauté charismatique. Nous avons été appelés par le même Seigneur pour être au service du même peuple, porté par des charismes différents. Je ne suis pas Paul, Paul n'est pas moi. Simplement pour vous dire que la catholicité de l'Église est aussi dans sa diversité. Effectivement, comme le disait mon frère Ange, nous sommes tout à fait différents, puisqu'il est diocésain, il vient de le dire, et moi, membre d'une communauté, les enfants de Padre Pio. Je pense que le Seigneur nous appelle tous, c'est le même Seigneur qui nous appelle, le même pasteur qui nous appelle avec nos diversités, mais c'est ce qui fait la beauté, la catholicité de l'Église. Chacun de nous, voilà, pouvons répondre à cet appel, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Le Seigneur nous appelle tous. Et nous sommes invités à y répondre ensemble, et c'est aussi la raison pour laquelle nous vous invitons le 12 septembre dans cette cathédrale à venir prier avec nous autour de notre évêque et autour aussi de la communauté des jeunes du diocèse qui vont rendre grâce pour tout le service que notre évêque Michel Sentier a rendu jusqu'ici, mais aussi pour rendre compte que nous sommes un seul corps, qu'il y a un seul troupeau, qu'il n'y a qu'un seul pasteur.